Paris, 1935. Bien sûr, parmi les spectateurs de ce soir, il y a de vrais amoureux de l'opéra. Honneur insigne fait à la représentation, une grande dame de l'art lyrique a pris place dans la salle. Si Mademoiselle Henriette Renoux a l'air d'une petite chose fragile, il ne faudrait pas trop s'y fier. Cette femme a fait la pluie et le beau temps dans les théâtres du monde entier. L'Opéra Garnier, Salzbourg, la Scala de Milan, la Fenice de Venise lui doivent leur plus belle distribution. Les néophytes n'auront jamais entendu parler de son métier. Les chanteurs ne jurent que par lui. Mademoiselle Renoux était professeure de rôle. Visage impénétrable, allure, disons, sévère, sans que l'on sache si c'est le fait de la timidité ou d'un mauvais caractère. Et une mise modeste, seulement démentie par un vif éclat dans le regard. Encore faut-il arriver à le croiser. La dame, main posée sur les genoux, a l'air d'une momie. Autour d'elle, des amateurs bedonnants, partition à la main, des gueules cassées de la Grande Guerre qui viennent se nourrir de beauté, des familles pour qui cette sortie est une fête et des premières fois qui vaudront révélation. Enfants fascinés par les dorures, commerçants impressionnés par l'importance du lieu, bourgeois que l'opéra ennuie mais qui persiste. Bref, chacun a sa raison d'être ici ce soir, des bonnes, des faiblardes, d'autres carrément mauvaises. Du moment qu'ils ont payé ma place, je me tamponne de savoir pourquoi ils sont là, marmonne Jean-Marie Geuzy. C'est un directeur nerveux, monsieur Geuzy. Son visage poupon est moins jovial qu'à l'ordinaire, tirant même sur l'écarlate. En redingote de soirée, il est venu se poster à l'œilleton du rideau rouge pour regarder les retardataires finir de lui remplir sa salle. Plus un strapontin de libre. Si seulement ça suffisait à remplir aussi les caisses. Mais non, ce théâtre est un gouffre. Comment le comptable a-t-il appelé ses pertes ? Structurelles. Voilà, la faute à des pertes structurelles. Constat amer où niche un seul motif de consolation, ce n'est pas la gestion de Geuzy qui est en cause. Sous sa gouvernance, les coûts de production ont même été drastiquement réduits. Le public, on le garde ou on renonce à ça aussi ? Ce jour-là, l'assistant du directeur avait posé la question en plaisantant, mais il était sérieux. À force de tout supprimer, allait-on pouvoir continuer à proposer de beaux spectacles ? Évidemment, mais évidemment, à condition toutefois de renoncer pour cette saison au plaisir des créations. La première de ce soir est le résultat de cette politique rigoureuse. Ce Rigoletto est la reprise d'une vieille mise en scène. Reste qu'il faut que ça chante bien. Les voix, voilà le vrai problème. Les belles sont si difficiles à trouver, surtout quand on n'a pas de quoi payer des cachets astronomiques. Et pire encore, s'il s'agit de Verdi. Tout génie qu'il était, ce monsieur s'est soucié comme d'une guigne de faciliter la tâche des chanteurs. Où avait-il la tête en écrivant ses partitions démoniaques ? Il n'a pas été plus indulgent vis-à-vis du sommeil des directeurs de théâtre. Alors, pourquoi le programmer si ça complique à ce point la vie de tout le monde ? Parce que c'est beau, tout simplement. Les trois coups, il est l'heure. La salle s'éteint. Des raclements de gorge la parcourent, les spectateurs s'offrent une dernière toux avant de faire silence. Presque nuit noire. Temps. Mais pas vide. Devenu rectangle de lumière, la fosse d'orchestre captive. Les violonistes ont posé leurs archets, les musiciens demeurent stoïques près de leurs instruments muets. Tant d'immobilité attire le regard. Il ne se passe rien et c'est fascinant. Le suspense monte. À cet instant, et du pas vif de celui qui sait son prestige, le chef fait son entrée.
La salle se met à applaudir. Catastrophe, ils ont les mains molles, note Gezi qui soudain se sent mal. Lui rêvait d'une clameur. Il voulait un engouement à même de faire oublier l'orage dehors, le nazisme au loin et ses tonnes de factures à payer. On n'y est pas, il faut rester sur terre. La baguette du chef tapote à deux reprises le pupitre, puis se fige le temps d'un silence si précaire qu'on n'entend que lui. Une paume s'élève, l'autre s'écarte. Bam ! Ouverture. Le lever de rideau à la française dévoile le décor en un mouvement qui drape et plie sa qui mieux mieux, tandis que la salle se gonfle de musique. Gezi frémit dès les premières notes. Le thème de la malédiction, idée fixe de cet opéra, n'étant pas fait pour arranger son humeur. Plus que quelques minutes avant de savoir si Rigoletto est en voie. Il y a d'abord l'entrée du duc de Mantoue, quelques vers de présentation, le salopard dans toutes ses œuvres qui raconte à un courtisan avoir séduit une vierge à l'église. Vierge, c'est-à-dire qu'elle ne l'est plus depuis qu'il lui a rendu quelques visites nocturnes. L'air est joyeux. Le duc a désormais des vues sur la femme du comte de Ceprano, mais rien ne vous arrête, s'enthousiasme Borsa, un petit courtisan doté de quelques répliques en accord avec sa fonction. La salle réagit. Une modification infime, mais Gezi connaît son public, quelque chose se passe. Des spectateurs penchés sur le programme tentent d'y déchiffrer un nom écrit en tout petit caractère. Ils y cherchent ce Borsa. Le directeur, de plus en plus médusé, les voit se murmurer leur nouveau secret à l'oreille. « Mais nom de Dieu, relevez la tête, tous ! Écoutez-moi la beauté musicale des phrases de la comtesse !» Que nenni ! Gezi a beau rouler des yeux fous sur ses spectateurs indociles, il sait. Inutile de continuer à se fouetter les sangs, on ne peut rien contre la décision d'une salle. Ouf, sa scène finie, Borsa vient de nous débarrasser le plancher. Ça devrait aider. À l'entracte, le directeur fonce trouver le chef de chant pour exiger des explications. Pourquoi ne l'a-t-on pas averti du problème Borsa ? Que fait une voix pareille enfermée dans un si petit rôle ? Eh bien, ma foi, personne n'a de réponse convaincante à lui fournir. L'énergumène fait ses débuts, c'est tout ce qu'on sait. Ah, et aussi qu'il est italien. Un certain Elio quelque chose. Mademoiselle Renaud avait fait savoir qu'elle tenait à le préparer elle-même. Voilà tout ce qu'on peut en dire. C'est donc elle qui a tout manigancé. Elle a caché son prodige jusqu'au soir de la première et vlan ! Maintenant, tout Paris sait. Peu avant la fin de la représentation, le directeur rejoint les coulisses côté cour où se tiennent les chefs de pupitre. C'est la tradition de venir y accueillir les chanteurs à leur dernière sortie de scène. Tiens donc, regardez-moi qui est là. Mademoiselle. Un long regard s'échange, sans besoin d'autres commentaires. Tous deux connaissent suffisamment le métier pour savoir ce à quoi ils viennent d'assister. Un événement rare, totalement imprévisible et pourtant écrit, la naissance d'une vedette. Henriette Renaud, on la connaît, on sait ce dont elle est capable, mais lui, bon sang, d'où vient-il ? Thank you.
De San Giorgio, province de Naples, 11 février 1912. Il n'y a évidemment pas l'électricité dans la grange, ni l'eau courante, et pas de mari non plus. À quoi servirait un bonhomme près de cette couche en paille, sans mentionner l'inconvenance d'une présence masculine dans un moment pareil ? Pas sa place. De toute façon, la question ne se pose pas, personne n'a épousé Musetta. Elle est pourtant bien là, à espérer que ça lui naisse d'entre les cuisses, d'une minute à l'autre. Debout, bras levés au-dessus de la tête pour attraper la travée de bois, elle pousse par à-coups violents. Ça fait très mal. De loin, les pires douleurs que Musetta ait jamais dû supporter. Dès la prochaine accalmie, elle tentera de s'accroupir. Les poules donnent l'impression de pondre tout tranquillement, c'est peut-être grâce à la position. La matrone conseille plutôt de continuer à se suspendre. Ah non, Musetta n'en peut plus. Elle a besoin de rabaisser ses bras. À force de supporter son poids, ses épaules lui font aussi mal que son ventre. Et à quoi bon souffrir de là ? C'est pas par les épaules qu'il sortira. Très bien, lâche la poutre, concède la vieille, on est plus loin, qu'elle ajoute. Changer de position fait du bien. Pas très longtemps, mais c'est bienvenu. On redevient un peu humain. Oh fichtre, ce que ça fait mal quand ça recommence déjà. Tout à coup, Musetta n'a plus envie qu'il sorte, ce bébé. Pas une histoire de passage trop étroit, pas à cause des douleurs, mais parce qu'elle l'aime, son enfant, et d'un amour qui vient encore de grandir. C'est précisément le problème, parce que le mettre au monde, c'est renoncer à l'avoir à l'intérieur, c'est la tristesse soudaine de devoir s'en séparer. Musetta veut repenser à cette nuit où, la main posée sur son gros ventre, elle lui avait annoncé son prénom, juste chuchoté. Elio, Elio, le plus beau prénom au monde.
quand son hurlement vient déchirer l'obscurité. Jusque-là, les vaches s'étaient fait oublier et fourrageaient tranquillement leur foin sans s'occuper du reste. Avec ce cri, c'en est trop. Les trois partent à beugler en raclant du sabot. Faudrait pas que l'inquiétude leur fasse tourner le lait. Bien sûr qu'on irait ailleurs si on avait meilleur endroit pour aider au travail. Mais rien de tel que la chaleur des bêtes pour accueillir un petit. Attention à ne pas se laisser distraire, tonne soudain la matrone. Sa main vient de rencontrer le rond humide d'un crâne. Tullia, vite, apporte-moi mes linges. Pousse, on dit à Musetta. Elle chie, ça braille dans toutes les tables, des mots qu'on n'entendra jamais ailleurs de ceux qu'on a honte de connaître. Les doigts experts écartent les chairs pour attraper le minuscule menton. Il s'agit ensuite de freiner la tête avant qu'elle ne force comme un bélier. À ce stade, les cris des mères ne sont plus utiles. Une fois la tête passée, le pire l'est aussi. D'ailleurs, à peine Musetta a-t-elle senti un mieux qu'elle s'est tue, avec même un début de sourire sur le visage. Une première épaule se dégage, puis l'autre. Du sang s'écoule de la déchirure, il va falloir le matériel à recoudre. Heureusement que le reste du corps glisse tout seul. « Ce qu'il est gros !» s'extasie la matrone. « Seigneur, voici le dernier né de vos enfants. Oh, ces cris qu'il pousse, mais quel gaillard !» devra pourtant attendre pour boire. La vieille saisit sa paire de ciseaux et sectionne le cordon d'un coup sec. Puis elle se rince les mains à l'eau chaude avant d'aller chercher la poche nichée au fond du ventre de la mère. Une livre de mou qu'on donne ensuite au chien, c'est la coutume. Deux lavements de suite, trois points de suture, la paille nettoyée. Ça y est, la vieille en a enfin fini. Le petit est emmailloté de l'ange et déposé dans le cou de sa maman, dont les yeux se sont emplis de larmes. Elle a une expression sur le visage qu'on ne lui a jamais vue, Musetta. Une lumière différente, un sourire tellement doux. « La vie est belle, » murmure-t-elle à son fils. « Qu'est-ce qu'elle est belle » continue-t-elle de lui répéter. « Amore, amore, » lui dit-elle aussi. Elle n'a jamais dit ça à personne, Musetta. Première fois qu'elle éprouve une sensation pareille. Son enfant apprendra à lire et aussi à écrire. Si le village rechigne, très simple, ils le quitteront. Ils iront vivre ailleurs, près d'une école s'il le faut. Être mère rend plus fragile, mais donne beaucoup de force. Son fils aussi en aura. Ce qu'elle espère pour son enfant n'en finit plus d'envahir sa tête. Musetta voit grand pour son petit. « Tu seras quelqu'un, » lui murmure-t-elle. Pendant la nuit, la maman fait un rêve. On fait du mal à son enfant. Il lui est arraché, son ventre la brûle. Elle croit qu'elle hurle. Peu avant l'aube, la vieille se lève avec lenteur. On a veillé au feu et remis par deux fois du bois dans l'âtre. Il fait bon dans la grange. Les gestes de la matrone pour préparer le lavement sont calmes, précis, identiques pour chaque naissance. Emplir la poire d'eau bouillie, attendre que ça refroidisse avant de l'administrer. Mais quand la vieille s'approche de Musetta et secoue doucement son épaule pour la réveiller, c'est immédiat. Elle comprend à l'instant. La peau est glacée. Non, en fait, elle ne comprend pas. Quand ces malheurs arrivent, d'ordinaire, on les voit s'approcher. Cette fois, on n'a rien su. Il n'y a rien eu. Comment est-ce arrivé? La fièvre l'aura prise? Pitié, pas Musetta, pas leur petite Musetta. À la lueur de la bougie, la vieille femme doit pourtant constater. Les lèvres devenues blanches, les yeux ouverts, le regard fixe. Et autour des cuisses, une mare de sang. La pauvre s'est vidée en silence, son bébé niché sous son aisselle. Il faut,
Il faut maintenant vérifier le petit. Comment se résoudre à ce geste ? La main va pour, s'arrête. La main a peur. Dio santo della Madonna, il est chaud ! Et il dort, tranquillement lové contre sa mère. Pauvre petit. Maintenant, il crie à plein poumon, le visage violacé par l'effort. Comment oser lui chanter des berceuses ? Il n'a plus de mère, ce n'est plus un enfant. La vieille le prend dans ses bras et lui glisse un pouce dans la bouche. Ouf, le calme revient aussitôt. Il avait juste faim, ce petit, évidemment. D'ailleurs, il tète goulûment. Quelques secondes de répit, mais un calme précaire. Que lui donner à boire ? Le lait de vache le rendra malade, c'est trop tôt, et au village, personne n'allaite. Alors quoi ? La matrone prend à nouveau une décision. Il n'y a qu'elle pour oser. C'est bien le moins qu'on puisse faire, nourrir ce fils de Dieu. La vieille femme se signe, un chapelet de paroles inaudibles débordant de ses lèvres. D'une main devenue lente, elle déboutonne la chemise de nuit de la morte et découvre une poitrine pleine, toute gorgée. Son regard reste longuement collé sur la peau blanche du sein. On a peur, oui, on a peur de comprendre. Avec des gestes lents, la matrone dépose le bébé sur sa mère et le guide vers son sein. La petite bouche avide n'est pas longue à trouver le téton. Mère à l'enfant, ce tableau dans la grange. Silence de plomb autour d'un tenace bruit de succion. Paris, 1937. La veille,
d'une représentation, il dort mal. Il révise. Le lendemain, c'est pire. Il refait. Ce qu'il a raté la veille est réussi dans un demi-sommeil. Le texte vient facilement, la note haute sort pimpante, tout se passe idéalement, comme s'il détenait enfin le secret. Sauf qu'au réveil, puit, tout cela s'est envolé, et il faut à nouveau y aller mollo avec la voix, la promener gentiment au bout d'une laisse en prenant toutes les précautions nécessaires, faire 5 minutes de mimimi, laisser reposer, recommencer, laisser reposer, recommencer, sans viser trop vite les aigus, et toujours irriguer, huiler, s'appliquer, des heures durant, pour un résultat qui reste de toute façon en deçà de ce qu'on sait pouvoir donner. Sur ses capacités vocales, Elio n'a aucun doute. Pas beaucoup, disons. Il voudrait juste parvenir à ce que ça sorte tel qu'il l'entend à l'intérieur. Parfois, il l'a eu, cette sensation de transe. Ce n'était plus lui qui dirigeait, cela chantait en lui. Énergie, inspiration, incarnation, tous les noms sont possibles. Chaque fois que ça a eu lieu, le public ne s'y est pas trompé, ça s'est fini en ovation. On en est loin. En ce moment, il se sent complètement vide, plus vulnérable qu'un bébé au moment de la naissance, et aussi nu. C'est lui qui a insisté pour ajouter Werther à un calendrier déjà chargé. Un rôle difficile, qu'il faut tenir jusqu'au bout dans tous les sens du terme. Mademoiselle avait tenu à le mettre en garde. Il venait d'inscrire son nom à un nombre considérable de distributions et une carrière ne se construit pas en faisant le tour du répertoire. Elle n'en démordait pas. La vérité à chaque fois, c'est ça l'important. Puisque Verdi avait de l'ascendant sur lui, elle l'avait cité. Mieux vaut une voix laide qu'une belle qui n'a rien à dire. À vouloir être partout, gare au risque de se transformer en vulgaire exécutant. Être soi, voilà ce à quoi il faut parvenir. Pas être le meilleur, mais être unique. Il ne faudrait pas croire la scène d'un théâtre si différente de la vie. L'ambition ultime y est la même, ne pas tricher. C'est ce qu'il y a de plus difficile. À trop multiplier les succès, on finit par échouer, à coutume de dire mademoiselle. Elio, vous devriez prendre femme. Voilà ce qui vous manque, allait-elle ajouter. Mademoiselle s'inquiétant pour son statut matrimonial, n'importe quoi, là n'est pas le problème. S'il y en a un, il n'est pas là. Alors où ? Pas du genre à lâcher, Henriette Renoux. Va-t-il s'en tirer avec un grand sourire et un haussement d'épaule, ou bien essayer de parler ? Eh bien, il n'a plus assez de raisons de se battre. Voilà, c'est dit. En fait, il aimait bien se donner du mal. Profiter, il est moins à l'aise avec ça. C'est affreusement gênant vis-à-vis du petit garçon qu'il était, mais c'est ainsi, le bonheur le déçoit. Vous savez, Elio, le mariage est très loin d'être une sinécure. Cela vous ferait un excellent cheval de bataille. S'ils sont tous les deux pudiques, il existe d'autres façons de deviner. Depuis des mois, elle l'observe. Une frénésie de travail, de déchiffrage de partitions, d'apprentissage de livrets, une pluie de contrats et un tunnel de répétitions, tout ça pourquoi ? Pour qu'elle lui voie les larmes aux yeux lors des saluts et le retrouve assis par terre dans une loge encombrée de fleurs, les bras en serrant ses genoux, la tête pantelante. Le plus souvent, il refusera d'en sortir et y passera la nuit en guettant l'aube par la lucarne, signe que se rapprochent les prochains vivats qui le feront à nouveau se sentir vivant.
Elio n'a pas les symptômes courants du divo, pas de voiture hors de prix, pas de retard au rendez-vous, ni de gronderies intempestives contre les habilleuses ou les régisseurs de plateau. Cela ne veut pas dire qu'il gère bien l'immense succès qui lui est tombé dessus. S'il ne se découvre pas d'autres hobbies que le travail, il va se retrouver à claudiquer derrière une réputation qu'il aura sa carrière durant peur de perdre, et il la perdra. Il finira par s'appauvrir, par s'emmurer, déguisé en star, sans valoir beaucoup mieux. Un chanteur doit d'abord s'aimer lui-même. Elio a commencé à se détester. Oh, il est très entouré, comme tous ceux dans la lumière, flatteurs, opportunistes, jaloux, ils sont tous là. Rien à attendre des grandes boutiques où les amitiés sont rares. Elio est seul. D'après ce que mademoiselle a cru comprendre, il n'a plus de famille en Italie, et elle en est sûre, il lui en faut une en France. Il croit encore qu'on chante pour le public, comme si c'était une masse, là où il devrait au contraire s'adresser à chacun. Le vieux monsieur du sixième rang doit avoir l'impression qu'on l'interpelle, sa jeune voisine, que c'est à elle qu'on parle. Et ainsi de suite. Chacun doit en être persuadé, qu'il soit 5 ou 1 000. La meilleure façon de nouer une telle intimité, c'est de destiner votre chant à quelqu'un de précis. Une mère, un père, une femme, quelqu'un d'important qui doit être présent dans la salle. Je ne vois ça nulle part, Elio. Vous n'avez personne avec vous. Déglutir. Trouver à se défendre. Mais je vous ai vous. Ah, suis-je bête? J'oubliais que j'étais éternelle. Vous avez raison. N'en parlons plus. Stai in fronte a te.
pardon. Paris, 1937. Les souvenirs n'ont pas toujours l'élégance de prévenir. On est là, tout adulte, c'est ce qu'on croit, rangé bien comme il faut à l'intérieur, et d'un coup, l'enfance vous envahit la tête. Elio, ça peut lui arriver en enfilant son costume de scène, ou tandis qu'il partage un plateau d'huîtres à la coupole avec ses partenaires. Il est en train de plaisanter, il vit, il est bien, mieux que bien, et soudain, patatras, le revoilà petit chose. Les copains avec une famille et lui sans, les autres qui arrivaient à pleurer et lui pas, ceux qui savaient des choses et lui rien. Il revoit des lieux, certains visages, hélas, trop souvent celui de la nourrice à barbe. Une maman est aussi un papa, cette femme. Il se racontait ça à l'époque. Quelle chance d'être gardé par les deux, se répétait-il. En vrai, non. Celle-là, la barbue, c'était la pire. Depuis, il n'a jamais été fichu de l'oublier. Pourquoi refuse-t-elle de disparaître? Pourquoi cette image continue de surgir alors qu'aujourd'hui tout va bien? Il y en aurait de tellement plus belles. Le premier oursin dégusté, aussi lisse en bouche qu'un caillou, avec en plus un merveilleux goût de mer. Les discussions avec Giuseppe, assis sur le muret près du petit figuier. « Viens donc me voir, bonhomme !» il faisait. Des bons moments, ceux-là. Alors pourquoi faut-il que ce soit les autres qui reviennent? C'est malheureux, l'enfance, que ce soit elle qui décide ce qu'il en reste. Dans la vie de tous les jours, Elio fait comme sœur Anna Maria lui a appris. Il s'occupe seulement du meilleur. « Oublie le mauvais, disait-elle, ça ne sert à rien. » Exemple, hier soir, quand le chef a soudain obligé l'orchestre à ralentir, gros comme une maison, il voulait le voir à bout de souffle pendant Nessun Dorma. Est-ce qu'on ira s'apesantir là-dessus? Évidemment pas. Il faut le prendre comme un jeu. De toute façon, ces vinceros sont sortis sans problème. Il aurait même pu les prolonger. Alors, on retient quoi? Les méchantes lubies du maestro ou les « Elio, Elio » du public? Bonjour Alexia Strezzi. Bonjour Daniel. Alors on se retrouve après la table ronde de ce matin pour un petit entretien qui va surtout porter sur, pas tellement sur l'histoire qu'on va raconter, même si on va l'évoquer un peu, mais sur l'environnement, sur le rapport à l'opéra notamment. On a parlé ce matin du rapport au lecteur, donc voilà, toute cette espèce d'économie autour d'un sujet qui fait un livre au final. Voilà. Oui. Alors rapidement, ça s'appelle « Des lendemains qui chantent ». On l'a dit ce matin, c'est toute la vie d'un personnage, mais construit d'une certaine façon, vous l'avez expliqué très clairement, de manière à montrer justement comment on devient soi, comment un destin se fabrique. Et puis on va suivre Elio Leon, un chanteur à la voix exceptionnelle, qu'on découvre à une soirée à l'Opéra Comique en 1935, où il n'est pas la vedette attendue, il a un second rôle, mais il va voler la vedette au rôle-titre. Alors peut-être... très rapidement, ce personnage d'Elio Leon est une fabrication, mais est-ce qu'il il est une configuration empruntant à des personnages réels? Peut-être deux mots sur cette construction-là. Alors, le personnage d'Elio Leon est vraiment un personnage de fiction, totalement inventé, mais il se trouve qu'en travaillant sur la documentation, dans l'idée d'écrire la vie et le destin donc d'un chanteur d'opéra,
Le travail que ça représente, l'abnégation, les efforts, les moments de grâce, de joie, les incertitudes. J'ai lu un certain nombre de biographies de chanteurs d'opéra, et non des moindres, parmi les plus grands du XXe siècle, et j'ai reconnu des points communs, des traits caractéristiques. Et je dois dire que j'ai été à la fois surprise et pas tant que ça de voir que beaucoup viennent de milieux modestes, où le chant était un loisir et un lien familial et une façon de clore les repas de famille, d'agrémenter les dimanches après-midi, et d'être ensemble et de faire communauté. Et cette chose-là m'a semblé vraiment importante, c'est-à-dire la musique et le chant comme joie, comme chose qu'on partage, comme patrimoine. Et des grandes figures de chanteurs que tout le monde connaît, comme Pavarotti, ou plus proche de nous et encore en exercice, Roberto Alagna, ont tous les deux, par exemple, c'est intéressant de le rappeler, Pavarotti était fils de boulanger et son père avait, paraît-il, une voix encore plus belle que celle de Luciano, son fils, mais c'était destiné à un vrai métier et donc avait été boulanger. Et il en était heureux, mais il avait évidemment peut-être un peu de regret d'une carrière qu'il n'avait pas pu faire, sauf qu'il a transmis les mêmes craintes en héritage à son fils, Pavarotti, notre Pavarotti, est devenu instituteur et chantait avec son père, justement dans les réunions de famille ou dans leur village. Et puis à 25 ans, Pavarotti s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible que je ne prenne pas le risque de devenir ce pour quoi j'ai l'impression d'être fait. De fait, la vocation. Voilà. Et donc Pavarotti a d'abord été instituteur, voilà, ce grand bonhomme s'est occupé de petits bouts de chou. Et puis à 25 ans, donc très très tardivement, il a participé un concours de chant assez modeste qu'il a évidemment remporté haut la main, et puis il a multiplié les concours de chant comme ça jusqu'à ce qu'on prenne la mesure de ce talent hors norme. Voilà, Roberto Alagna, il a commencé dans les pizzerias en fin de soirée avec un petit banjo et il chantait pour que les clients restent, consomment, boivent, voilà. Et donc ça a été une source d'inspiration pour moi pour me dire qu'il était possible et crédible et même souhaitable de faire de mon immense ténor, enfin de ce ténor au charisme et au talent exceptionnel, d'accepter l'idée qu'il puisse venir d'une extraction extrêmement modeste. Et alors j'ai poussé vraiment le curseur en faisant un orphelin. Alors, tout à l'heure, vous disiez la documentation. On commence peut-être d'abord une assise. Il y a ce cliché, mais qui est une vérité, du rôle de l'opéra en Italie. Quand on pense que ce pays s'est donné comme hymne politique un morceau de Verdi, quand même, c'est quand même pas rien. Voilà. Et il y a pas mal d'auteurs que j'ai pu rencontrer où il y a ce souvenir des tablées familiales, où tout le monde chante à la fin, ou au début d'ailleurs. Mais la documentation, j'y reviens sur cette soirée à l'Opéra Comique. Donc comment est-ce qu'on reconstitue, comment vous reconstituez ce que peut être un directeur d'opéra qui a peur pour ses finances, une soirée, qui sont les gens présents, voilà. Quelle est la part de documentation et d'invention? Alors, il se trouve que j'ai un rapport à l'opéra qui est double. Oui, je voulais y venir, voilà. Donc, et avant de parler de documentation, je vais raconter une petite chose dans l'opéra personnelle. Ouais. Voilà. Je suis... mon grand-père
était chanteur d'opéra, sa femme, donc ma grand-mère, était pianiste d'orchestre, et leur fille, ma mère, était danseuse classique. Oui. Et après ma naissance, elle a continué à faire des tournées, oui. Donc elle ne pouvait pas m'emmener partout avec elle, et elle m'a confié à mes grands-parents qui avaient un logement de fonction au Théâtre Gralin de Nantes, qui est donc l'opéra de la ville. Et donc j'ai grandi dans un opéra, entouré de chanteurs et de musiciens. Donc ça a été un environnement familier, j'ai baigné vraiment ouais. là-dedans. L'italien et la musique ont été mes langues maternelles. Ouais, vraiment, c'était mon environnement naturel. Et puis quand mes grands-parents ont disparu, ils ont emmené l'opéra avec eux. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, je n'avais pas un rapport culturel ouais. Ni un rapport choisi à l'opéra, simplement. C'était les données, c'était les données de ma condition. Ouais. Voilà. Et donc l'opéra, c'était mes grands-parents. Ils l'incarnaient, ils le personnifiaient et ils l'ont emmené avec eux. Et pendant 30 ans, j'ai vécu sans opéra dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'opéra était vraiment mort avec mes grands-parents et je m'en suis tenue éloignée, sans doute parce que la charge émotionnelle ouais. et la force d'irradiation, enfin, je ne sais pas, affective, l'enfance, enfin tout ça. Ouais. C'était une matière un peu ouais. incandescente ouais. dont je me suis protégée longtemps. Ouais. Et puis un jour, par hasard, j'ai réécouté une voix lyrique. Ça m'a bouleversée. Vous vous souvenez laquelle ? Oui, c'était un morceau qui s'appelait, un morceau qui est une chanson de variété italienne, écrite par Lucio Dalla, et ouais. qui s'appelle Caruso, ouais. donc qui est quand même un ouais. hommage D'accord. à ce grand ténor qui était Caruso, et chantée par Roberto Alagna. D'accord. Et en fait, sur cette banquette arrière du taxi, j'ai été foudroyée. Tout est remonté, j'avais la chair de poule, enfin vraiment, ouais. L'émotion m'a saisie et je me suis dit, il est plus possible ouais, de tourner le dos ouais, à ce qui a été un moment si fort et une chose si importante de ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là, puisque donc je ne connaissais rien de l'opéra, en fait. Ouais. C'est à ce moment-là qu'est arrivée la documentation. Ouais, je suis allée à l'opéra, j'ai éduqué mon oreille, je me suis forgé un goût, j'ai appris à écouter, j'ai lu des choses sur les opéras que j'écoutais pour essayer de voir ce que j'avais entendu, ce que je n'avais pas entendu. J'ai lu énormément de livres de musicologues, de spécialistes, voilà. Et puis, ce livre est sans doute le résultat, le mélange, la fusion ouais. d'un rapport donc incroyablement émotionnel et intime que j'ai avec la musique et plus particulièrement avec la voix opératique, et puis de connaissances acquises comme lorsqu'on travaille sur un livre et que on cherche à apprendre et à retransmettre au lecteur avec des mots très très simples voilà ce qu'on a à dire. Et donc cette première séquence le livre s'ouvre effectivement en salle Favart en 1935. Je voulais que ce soit comme l'ouverture d'un opéra, voilà, c'est-à-dire qu'on prend des spectateurs chez eux au moment où ils sont en train de se préparer. On se dirige ouais. avec eux vers l'opéra comique, on s'installe dans la salle et puis on attend en toussant, en pensant à ce qu'on a à faire, à qui l'on est. On attend le lever de rideau, enfin d'abord l'arrivée du chef dans la fosse, ouais. puis le lever de rideau. Et c'est vrai que je voulais vraiment que le roman s'ouvre ouais. comme un rideau de théâtre à l'opéra. Très bien. Alors, dans le parcours de personnage, Elio Leone, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la cassure de la guerre et il y a un effondrement chez lui. D'abord, il a passé 5 ans au Stalag, il a perdu son amour, il a perdu Mademoiselle Renaud, qui a quand même été
son coach, on dirait aujourd'hui, oui. qui l'a porté très très haut. Donc il a tout perdu en fait. Et il va passer des mois, des années, en oubliant complètement le chant, où est-ce qu'il est. Je me demande s'il n'y avait pas un rapport avec vous, votre éloignement de l'opéra pendant des années, et cette remontée, ces retrouvailles. Je trouve qu'il y a, voilà, j'ai fait peut-être de manière audacieuse un parallèle entre ce passage à vide, où il oublie l'opéra, et puis votre propre parcours. C'est très intéressant comme c'est une très jolie idée et sans doute qu'il y a un écho dans la vie de ce personnage et dans la mienne, c'est-à-dire au sens où parfois des détours sont nécessaires avant de revenir à l'essentiel, aux fondamentaux. Mais je crois que ces moments effectivement de vacances au singulier, ces moments de vide, ces moments qui ne sont pas productifs immédiatement, où on a l'impression au contraire qu'on perd de vue son objectif, et d'ailleurs peut-être qu'on n'en a plus, ces moments-là sont parfois non seulement nécessaires, mais cruciaux pour retrouver effectivement la vérité, une vérité enfouie, intime, et qui vous brûle. Voilà. Et c'est vrai qu'Elio va renaître après cet éloignement, va renaître différent, se reconstruire et aller vers quelque chose de lui qu'il aura découvert comme étant sa vérité, ce que, à mon petit niveau, j'ai sans doute fait, non seulement avec l'opéra, mais également avec l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai su très vite que je voulais être écrivain, et puis j'ai eu peur, je crois, où je ne me sentais pas prête, et donc il m'a fallu des détours, et il m'a fallu emprunter des chemins qui ont semblé être des chemins de traverse, mais qui aujourd'hui, avec le recul et rétrospectivement, me semblent avoir été incroyablement programmatiques, préparatoires, de ce que je fais aujourd'hui et qui est vraiment la grande affaire de ma vie, à savoir écrire. Très bien. Alors, une dernière question, on va vous entendre accompagné par un baryton, par un ténor. Comment vous avez construit peut-être cette séquence de lecture avec cet artiste? Comment ça s'est passé? Alors, c'est la magie de Festimo de proposer ces lectures, des lectures musicales, des mises en voix. Pour mon roman, qui effectivement se consacre à l'opéra, c'était une évidence. Qu'il fallait une voix. Voilà, qu'il fallait une voix. Et Festimo a rendu ce petit miracle possible, ce qui est absolument merveilleux. Et Joël avait, Joël Guinard, la présidente de Festimo, avait contacté un bariton avec lequel j'ai déjà fait une lecture musicale à Lyon, au Cercle Saint-Irénée. Il a une voix absolument merveilleuse, il a compris très bien et était très touché par le livre. Et donc on a réfléchi, comme lui est bariton, comme vous le disiez, non pas ténor, il y a un certain nombre de morceaux dont il est question dans le livre qu'il ne pouvait pas chanter, mais on en a transposé certains, il en a proposé d'autres, et je dois dire avec une justesse, une finesse qui prouve à quel point sa sensibilité de lecteur et de chanteur sont remarquables. Et je suis très impatiente de présenter ce petit moment suspendu au public de Festimo. Très bien. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. À plus tard. Au revoir.